Bonjour, bonjour mes petits chats. Comment allez-vous ce matin? Il est 7h30, Alan vient de partir. Moi, j'ai déjà été ramener ma poubelle jaune là-bas, au fin fond de l'espace. J'ai voulu reprendre la grise, mais ils ne sont pas encore passés, alors qu'habituellement, ils passent à 6h du matin. J'espère qu'ils vont passer, hein. J'ai déjà mis ma fleur dehors. Elle est toute belle. Regardez, elle me fait des petites... Foufou, regardez. Je fais l'arroser après. Le temps, bah écoutez, il y a un petit vent, mais pas gênant. Voilà le ciel. Bon, normalement, il doit faire bon. Par contre, j'ai vu de la pluie pour vendredi, donc pour demain. J'espère pas, parce que monsieur doit tomber derrière, enfin devant. Et puis, non, logiquement, on devrait vider le bahut, le sortir et le poncer le côté et la petite bande blanche. Alors, j'espère pas. Ben, sinon, on le fera samedi. Samedi prévoit du beau temps. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les affaires à Alan. Donc aujourd'hui, ça va être une belle motivation ménage, mes petits chiots, belle motivation ménage pour le week-end. Donc là, je vais dépendre mon linge parce que j'ai une machine qui tourne, c'est que les chaussettes blanches. Et puis voilà, là, je vais me faire un café. Et puis Nathalie, elle va se mettre en route. Je ne sais même plus si je vous ai demandé si vous allez bien. Donc, est-ce que vous allez bien? Je pense que oui. Et ben moi, oui. La preuve. Ben, allez, je fais mon café. Dites-moi si je vais acheter la poudre de chez Action et laisser tremper les chaussettes une petite heure. Bon, là, ça va. En fait, les chaussettes, je les lave avec le produit de chez la lessive de chez Leclerc, là, Epsil. Elle va trop bien. Je vais vous la chercher. Elle va. Je m'en sers pour. Je m'en sers pour les chaussettes, les microfibres, celles-là. Franchement, puis elles sont trop bonnes. À choisir, je préfère celle-là à celle de Leclerc, de chez Action. Bon, là, c'est une petite bouteille, 28 lavages et c'est printanier. Et franchement, même quand j'ai plus de lessive normale, quoi, ben, je fais avec ça et ça adoucissant et tout. C'est une bonne lessive, franchement, je suis très contente. Voilà les chaussettes de Alan. Voilà. Je vous jure, donc est-ce que vous avez déjà fait la poudre de chez Action? Voilà, bah allez, je continue à prendre mes chaussettes. Ça sent bon. Oh, j'aime bien sortir ma lessive. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'adore ça. Donc surtout toujours bien étirer vos chaussettes avant de les pendre, hein, pour qu'ils ne soient pas... chiffonné, enfin qui se mettent bien, quoi. Voilà. Allez.
J'y vais, je prends mes chaussettes. De là, ben, je mets les tabourets sur la table. Je mets tout sur la table. J'ai ouvert ma grande fenêtre de cuisine. Je voulais la nettoyer, mais après, je me suis dit, ben non, puisque j'ai pas de vinaigre blanc. Donc là, j'en ai acheté. Donc je le ferai lundi, comme ça, hop. Et je vais tout nettoyer le coin où il y a la console, en fait, la colonne. La console, la colonne. Je sais pas comment on dit. Une console, une colonne. Console, colonne, voyelle, console. Non, je rigole. Donc, j'en ai un coup de microfibre sur mes tabourets parce que bah, c'est du noir métal et puis bah, ça ramène la poussière. Sur le noir métal, vous savez très bien que je le mouille pas. Ou si je mouille, c'est fort tordre votre lavette et rester tout de suite par derrière au sec. Parce que si vous laissez mouiller, c'est du métal, donc ça rouille. De là, je m'assois sur le tabouret pour le faire baisser, pour poser le tabouret sur la table. Et puis voilà mes petits chats. Donc je donne un coup. Et puis voilà. Donc toujours en musique, avec la joie et la bonne humeur. J'ai réussi à l'enlever. Donc faut pousser vers le en bas, vous poussez vers le haut. Regardez toutes les poussières et tout. Ah, oh, je vais me régaler. Ah, oh, je vais le nettoyer, je vais me régaler. Ah, oh, j'ai réussi. Alors attendez, faut que je fasse l'autre maintenant. Alors attendez. Vous voyez, donc prenez soit un torchon, un truc épais, sinon ça va vous faire mal aux doigts. Enfin, moi, ils sont tout neufs aussi, donc c'est la première fois que je les enlève. Donc vous tirez bien vers le haut. Par le banc, en fait. Et puis, ça s'enlève. Le truc, il va monter en haut. Et puis, ça va s'enlever, en fait. Donc, voilà. Donc, mais mettez quelque chose sur vos doigts. Coupez pas faire avec vos doigts nus comme ça. Sinon, ça peut vous couper, je pas si vous pense. allez regarder. Regardez. Regardez. Et la poussière. Ah, je suis trop contente. Ben ça, je les avais nettoyés. Ah, je suis trop contente. Pleine de poussière. Allez, on va nettoyer ce radiateur. Je suis trop contente, mes petits chats. Il n'y a que celui-là que j'arrive pas à enlever de son bitonneau, mais c'est pas grave. Donc vous, d'en bas, si vous avez des radiateurs comme ça, mes petits chats, en bas, vous soulevez en fait, mais toutes vos forces. Hein, puis ça, hop, le truc là, il va monter. Puis voilà. Allez, on y va, on va sticker. Prenez votre aspirateur, puis vous aspirez bien, donc vous faites avec la brossette. Et puis après, si vous avez le suceur,
vous redonnez un coup avec ça dans les creux en fait. Et après, bah, avec une bassine ou un seau, vous mettez de l'eau chaude, tiède ou froide, comme vous voulez. Une microfibre, moi j'ai mis du produit vaisselle et puis de l'eau, ben, vous nettoyez, vous enlevez toute la poussière et vous ressuyez au sec juste par derrière pour pas que la poussière elle se réinstalle sur le mouillé. Donc vous passez bien dans les creux et puis tout va être nickel en fait. Mettez une bassine en dessous du radiateur avec serpillière ou qu'est-ce que vous avez sur la main quoi. Et de l'eau, soit vous prenez la bouilloire ou un seau ou un récipient avec un bec, vous mettez de l'eau froide ou tiède, pas trop chaud, et puis vous versez dans le radiateur, dans les creux et tout. Et toute la poussière qu'il va avoir dedans, elle va tomber en fait dans le récipient que vous avez mis en dessous de votre radiateur. Et après, ben, faudra avoir un truc qui va carrément dans le radiateur pour bien nettoyer. Mais moi, tout y était parti comme ça. Donc, normalement, tout y part. Normalement, si vous le faites bien, tout y part, tout y part, tout y part. Donc, vous allez doucement, surtout pas trop y aller de fort parce que ça va couler dans le récipient. Il suffit que le récipient il se remplit trop vite et que vous ne le voyez pas. Tout peut déborder. Donc, vous y allez petit à petit, quoi. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais j'ai plus de moumoute. Celui-là, je l'avais déjà fait il y a 2 ans, pas cette année, l'année dernière. Donc, il faudrait que je vous fasse voir un radiateur qui est vraiment comme c'était d'Alan, par exemple. Mais là, regardez, il n'y a plus de saleté, j'ai tout aspiré. Après, il faudrait acheter c'est une brosse pour radiateur, vous savez, pour bien accéder dedans. Mais après, je vous ai fait voir avec sèche-cheveux, mais moi j'ai plus l'embout. Il faudrait un sèche-cheveux puissant. Moi, c'est un petit. Donc un sèche-cheveux puissant pour que déjà il vous décolle tout. Mais regardez, oh, aussi propre, je suis contente. Mais il n'était pas sale, sale, sale le mien. Donc attendez, je vais aller au lever de lavabo. Hop. Pour essayer de vous faire voir quand même, quoi. Donc voilà. Donc là, c'est l'eau. Bon, vous voyez qu'elle est sale. Bon, je vais tout le bouchon. Voyez qu'elle est sale quand même, quoi. Regardez. Donc, moi, dans un premier temps, j'ai fait. Ah, bah, regardez, vous voyez, il y a des minous, regardez. Dans un premier temps, regardez. Dans un premier temps, j'ai fait avec du produit vaisselle. Donc, mettez pas de l'eau chaude trop, trop fort. Mettez tiède, mais pas trop dans le chaud, quoi. Et puis après, ben, j'ai rincé à l'eau froide. Donc attendez, je vais essayer de verser. Vous voyez, hop. Et je vous dis, celui-là n'était pas trop, trop sale. Ça, je vais le poser là. Donc vous voyez, il y a des impuretés. Bon, vous voyez que l'eau, elle est sale, regardez. Hop, hop. Là.
Là, regardez. Vous voyez? Donc, faites-le tous les ans. Parce que si vous ne le faites pas, ça va être beaucoup, 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 beaucoup de poussière. Tous les ans, ça va se cumuler, ça va se cumuler. Et tous les hivers, donc votre chauffage, il va moins chauffer. Puisqu'il sera engorgé de... Comment on appelle ça? De poussière. Donc, si vous pouvez le... voyez. Ça, la semaine prochaine, je vais faire la chambre à l'âne et je vais faire celui-là. Et puis la chambre à monsieur, je vais faire un par semaine avant qu'on remette les chauffages. Comme ça, hop, moi, ils vont bien les réchauffer. Et puis voilà. Alors, moi, je me suis renseignée parce qu'il y a des radiateurs, il faut les purger. Donc, moi, je me suis renseignée avec le monsieur qui fait l'entretien chaudière. Il m'a dit non, non, du fait que ça a gaz, il n'y a pas besoin de purger. Et lui, il m'a dit, moi, quand je vais venir pour faire l'entretien, comme c'est une fois par an, il me dit si vous voulez je regarderai. Donc je le laisse faire, je fais pas n'importe quoi. Mais pour ceux qui ont des chauffages, ben, je sais pas électrique comment, enfin je sais pas, je tiens pas à vous dire des bêtises, moi je sais pas moi-même. Donc là je vais le laisser ouvert pour dire qu'il sèche. Et puis voilà, donc là les grilles, alors les grilles, alors regardez l'état, voyez, hop, bon, je vous dis celui-là encore ça va. Ce que je l'avais fait, enfin je l'avais pas enlevé les grilles parce que je savais pas comment on faisait. Et par contre l'année prochaine je devais que monsieur me les enlève pour vraiment enlever le radiateur, pour vraiment faire le derrière derrière, vous savez là, le derrière derrière, parce que là regardez il y a des, ou alors je vais regarder sur Amazon pour avoir un truc pour accéder au radiateur. Donc voilà, je vous ai fait voir une petite astuce comment nettoyer vos chauffages. Donc, moins il y a de poussière, moins ça va chauffer mieux. Plus il y a de poussière, moins ça va chauffer. Voilà, allez, on continue mes petits chats. Parce que là, j'ai fait le bordel. Donc, quand vous allez mettre une bassine en dessous, mettez bien une serpillière. Parce que quand vous allez faire couler avec la bouloir ou un truc avec un bec, vous savez, un récipient, n'importe, ça va couler. Donc, mettez bien soit des torchons ou des serpillières, comme vous voulez, quoi. Mais protégez au maximum, quoi. Quelque chose pour les radiateurs, enfin pour le radiateur, c'est quand je gardais le chat de ma fille, elle avait acheté un support, vous savez, comme un séchoir qu'on met sur le radiateur. Et l'hiver, il se posait là, comme je le gardais, comme elle n'avait pas encore de logement. Et en fait, ça m'a fait des trucs comme ça. Donc, je sais pas si acheter un stylo blanc, vous savez, puis c'est de. Je sais pas si vous voyez, regardez. Il est plein de poussière. Franchement, le radiateur, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Regardez comment les poussières. Vous avez vu, même là et tout. Regardez ici. Vous voyez, c'est la rallonge de son jeu. Donc, vous voyez que je ne vous mens pas. Donc, la semaine prochaine, je vais faire le sien. Ah ben, voilà, comme ça, regardez. Vous voyez comment c'est dégueulasse. Regardez. Il repart dans la cuisine. Donc là, je suis bien dans la chambre. Ah là, regardez. Voilà. Donc, vous avez vu le avant. Et maintenant, vous voyez le après. Donc là, je suis dans la cuisine. Regardez. Que je vous mets au plus près. Donc là, vous voyez, c'est... Bon, il va faire focus, lui. C'est blanc de chez blanc, regardez. Donc là, je continue. Je vais... je passe à l'autre côté de la cuisine. Je vais mettre... je prends une nouvelle microfibre. Je vais mettre du cifre sur mes portes de cuisine parce qu'il y avait beaucoup de traces. Donc, j'ai mis du cifre et puis j'ai bien laissé poser le temps que je faisais autre chose, en fait. Thank you.
lave toujours à l'eau claire sans produit d'entretien. Et voilà mes petits chats, donc nettoyage de la cuisine et petite astuce comment nettoyer son radiateur, c'est terminé. Donc ah déjà, il est 11h42, donc la deuxième partie je la ferai cet après-midi, puis vous l'aurez dans une prochaine vidéo. Donc là vous avez une partie numéro 1 de la cuisine, la deuxième partie son écru propre pour une prochaine fois. Donc voilà, ben, le temps il s'est bien couvert. Pourtant la météo ils disent soleil, mais je vois que la météo ils disent des mensonges. Bon allez, sur ce je vous souhaite une excellente journée mes petits chats, puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec moi. Bye bye, bisous bisous mes petits chats.